Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Et je viens, tiens, à vous remercier. Donc d'abord, je suis en platoon avec Vic Sombre. Et en plus, je tiens à vous remercier, c'est pour ça que je ne suis pas directement en game. Je tiens à vous remercier pour ceux qui ont pris la peine d'acheter en tout cas le robot. Donc je vous rappelle qu'en mettant America, hop, ici, sans accent ni rien, vous pourrez tomber dessus sur America for Freedom. Hop, directement là, qui est donc le robot de la chaîne. Il coûte 14 millions, ce qui est extrêmement cher, je dois le reconnaître, hein. Sur ces 14 millions, moi je recevrai 10%, c'est pas épique, hein. Honnêtement c'est pas épique, je m'attendais un peu mieux. Je recevrai donc 10%, donc voilà, je vais collecter les earnings. Hop, voilà, close. Et donc je remercie celui ou celle qui a pris la peine d'acheter ce robot. On va donc partir en battle, go, go l'ami. En battle arena. Voilà. Avec toujours notre shotgun, on va bien voir s'il continue à fonctionner. Moi je me renseigne toujours en tout cas au niveau des différents forums du jeu, que ce soit le forum officiel ou le forum Steam tout simplement, hein, pour voir si oui ou non le système, le principe de Blink Shotgun fonctionne toujours ou toujours pas. En l'occurrence pour l'instant toujours pas. Donc on reverra ça une autre fois, chers amis. Hop, donc voilà, c'est bon. Et moi je fais une ellipse et je vous retrouve en game. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc, alors où est notre ami? Il est là-bas. Hop. Ah bah, il rush, hein. Casse-toi. Hop. Aïe, c'est mal. Il y en a qui font mal leur boulot derrière. Aïe. Ok. Qu'est-ce que... Y'en a d'autres ou quoi? Oh, des Tesseract. Alors déjà ça, quand on voit deux voler comme ça, t'as plus envie de jouer. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. On va attendre qu'il se divise un petit peu pour pouvoir aller chercher. Pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de. Hop. Ok. Et si on allait un petit peu les réveiller un petit coup avec un coup de shotgun? Qu'est-ce que vous en pensez? On est tôt le matin, enfin tôt le matin, plus matin maintenant. C'est les aléas de la vie. C'est malheureusement les aléas de la vie. Hop. Your top fusion tower is under attack. Hop. Ok. Oula. Bon, on s'est fait défoncer. C'est pas grave, ça va lui arriver aussi de toute façon, hein. Jusque-là, ça se passe pas trop mal. Ok, on va repartir par là. Oula. Hop. Vous avez pu voir à l'intérieur du vaisseau. Oula, salut Vic. Hop là, c'est double, tu permets. Mais tu as un canon. Galaxy Coin. Intéressant. Hop. Non, mais me rentre pas dedans. La plupart du temps ils viennent par là. On voit. Oh merde, j'ai vraiment pas de bol. Hmm.
Your bottom fusion tower is under attack. Oula. Hop. Croise. Hop. Je pense qu'il l'a eu. GG le shotgun. Ok. Il a centré ses armements, hein, son armement. Ce qui est loin d'être une mauvaise chose. Qui est loin d'être stupide, faut la dire. Oula, machine de l'armement. Hop. Hop. Voilà. Aïe. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus comme ça? Merci. Faisons le tour de nos ennemis. Contournons-les, pardon. Hop. Ah la vache! Mon armement! Saloperie de Tesseract! Putain! Saloperie de Tesseract, déteste les Célestials! Ces robots sont de véritables plaies, chers amis, hein. Ils sont beaucoup trop. Beaucoup trop cheatés, à vrai dire, soyons honnêtes. Mais bon, il y aura un moment où je me vengerai, chers amis, il y aura un moment où je me vengerai. Je drift là, hein. Je drift un peu. Hop. Voilà. On va avancer par là, il va y avoir un point de spawn je pense, mais il n'y a qu'un seul ennemi. Je crois qu'il y a un autre robot qui arrive. Je suis bouffé le mur. Il est difficile à contrôler, j'en chie. Honnête. Ouais, de toute façon là c'est mort, ils sont trois. Dommage parce qu'il est tanky le robot. Hein. Il est tanky. Il va être temps qu'on level up un petit peu, qu'on améliore son armement. On pourra pas faire des choses complètement OP, mais on pourra faire des choses sympas. Rassurez-vous. Hop, allons-y. Voilà. Allez, hop, roule. Roule. You have captured the enemy's middle fusion tower. Clock cycle booster activated. Hop. Spotted. Pas le mouvement. Spotted. Spotted. Hop. Ok, on se barre. Spotted. En mode shotty. Spotted. Hop les... Non! Non! Encore un Tesseract? Non, ça va. Non, ça ne me dérange pas. Oh là là. Merci. Hop. Par contre, c'est dans le mauvais sens en fait. C'est ça le problème. Hop. Qui implique donc que je me remette dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah, je suis sur le... Ouais. J'étais sur la brèche littéralement. J'ai pris des dégâts de partout. Cette partie ne dure que 7 minutes 30. Incroyable, je croyais qu'il durait déjà plus de 10 minutes. Oh le sniper, la précision de ce snipe. La puissance de ses tirs. Non. Oh blablabla. On a le dessus, mais on n'arrive pas à le garder très longtemps et suffisamment longtemps pour atteindre leur leur spawn. Oh la vache, j'en chie. C'est bosselé par là, dis donc. Hein. Donc oui, je rappelle à nouveau. Je reprécise que je n'ai que deux roues centralisées. Deux skis, et au niveau de ces skis, j'ai des commandes. Des réacteurs.
Donc du coup, oui, je glisse énormément. Le principe de ce robot se base sur la glisse. Les roues sont là en fait uniquement, chers amis, pour vous expliquer en fait. Les roues sont uniquement là pour tout simplement donner une pulsion de départ, comme la première sur une voiture, chers amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la propulsion, elle, met du temps à faire avancer le robot au départ. Et j'ai bien une accélération plus prompte, en tout cas au moins pour le début, pour le comment, le démarrage. Hop. Et voilà. Donc oui, j'ai absolument besoin d'un démarrage un peu plus prompt, hein, sinon je vais pas réussir à en fait à faire un virage et repartir. Ce qui reste d'ailleurs encore même le point faible de ce robot. Hein. Comme vous pouvez le voir, je suis dernier avec ce robot. Mais j'aime bien l'utiliser, il est très très complexe à utiliser et j'aime ça. J'aime ça. Je l'avoue, j'aime ça. Hein. Maintenant, il y a certainement d'autres façons de l'utiliser. Hop. Nous faisons donc environ un demi-million de crédits, ce qui n'est pas fameux, mais ce qui est toujours sympathique. Vous verrez que j'ai supprimé les deux autres robots, hein, le sniper et le volant rouge. Bon, c'est un choix. Hein. On va reprendre ce robot-là. Hop, et on va partir en game à nouveau. Hop, oui, oui, reste. Et go battle. Voilà. Et on se retrouve tout de suite, chers amis. A tout de suite. Re, chers amis. Donc, on est avec l'hélicoptère. On va essayer de faire des choses. The battle for Tharsis Rift has begun. Hop, les feux. Hop, on touche du mieux qu'on peut. Your top fusion tower has been captured. Your team has captured the bottom fusion tower. Your fusion shield is now active. On va s'approcher du reste, hein. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il tourne comme ça, lui? Hop. Oh non, pas encore. Hop, je m'en fous. Je vais me faire autant de dégâts que tu veux, je m'en fous. Putain de Tesseract, ça me saoule. Ça me saoule. Il me saoule, ces robots. Honnêtement, ça me saoule. Même si lui, il est censé plus ou moins voler et j'ai... Ça me fait chier de l'admettre. Hop. Hop, je me fais défoncer. Mais ce n'est pas grave. Il est sympa son truc, dis donc. Ouais. Ah oui, il est sympa. J'aime beaucoup. Ok, on y retourne. Je viens de redécouvrir des touches de ma souris. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spotted. Sérieux, ça t'a pas achevé? Spotted. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Spotted. 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 Ok. Spotted. On n'a pas le dessus. Hein. On n'a clairement pas le dessus et à mon avis c'est principalement parce qu'ils ont tous été Tesseract avec eux. Hein. Soyons honnêtes. Ils sont très difficilement tuables.
Ah, il me saoule. Your team has captured the top fusion tower. Clock cycle booster activated. Spotted. Your top fusion tower is under attack. Hop, tiens, ça prendra. Par contre, j'ai plus de quoi me propulser. Oh mince. Saloperie. Pourquoi pas. Oh la vache, ils ont chié avec son truc. Oh la gueule, oui d'accord, c'est un Tesseract, c'est une sorte de Tesseract. Il a aucun système de mouvement en dehors de ses propulseurs. Ce qui fait qu'il a, il a un robot qui est extrêmement complexe à manier. GG les mecs. Clock cycle booster activated. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Avec ton robot. Spotted. Je vais te calmer tout de suite. The bottom fusion tower has been captured. You no longer have. Reprenez la tour. Spotted. Hop. Spotted. Spotted. Your team has captured the top fusion tower. Clock cycle booster activated. Your top fusion tower is under attack. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Spotted. Up. Your team has captured the bottom fusion tower. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Ça me pose pas de problème personnellement. Your middle fusion tower is under attack. The middle fusion tower has been captured. Mais je suis à l'envers. Spotted. Your top fusion tower is under attack. Spotted. Spotted. Your top fusion tower is under attack. Spotted. On va faire tout autour. Your top fusion tower is under attack. J'ai plus rien. Avec un peu de bol, on a de nos potes qui va prendre la tour. Regardez ça, avec un peu de bol, il y est là. Avec un peu de bol, ils y sont parfaits. Parfait, 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 ça, chers amis, c'est génial. C'est génial. Ouh. Alors. Your top fusion tower is under attack. J'ai pas enregistré le nom du sniper. J'aurais dû. Spotted. Your top fusion tower is under attack. Spotted. The top fusion tower has been captured. Dégage. Spotted. Hop. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Hop, on y retourne, bah écoutez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Ouh, le tir qui sort de nulle part. Attends, moi je vais venir te voir, mon pote. Retourne jouer dans ton coin. Non mais où? Eh ben non. Tu ne m'auras pas. Je vais me rebarrer dans l'autre sens. Oui, je saute. Et alors? Ça vous pose un problème? Allez, de toute façon je pense qu'on va l'avoir là, l'équipe là. Alors ce robot manque de certaines choses. De propulsion avant. Hop, pour commencer. Où sommes-nous? Ah oui, nous sommes au-dessus là. Je le vois, je ne nous voyais plus. Bon. Bon, 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 bon. Et nous sommes combienième? Deuxième, troisième, troisième. D'accord. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, notre partenaire dans la base de la chaîne. Moi, ce que je vais faire, chers amis, c'est qu'au fur et à mesure que je vais récolter donc vos dons, entre guillemets, via les robots.
je vais les remettre dans d'autres robots. C'est-à-dire que d'autres robots, par exemple, le mecha. Le mecha à l'heure actuelle, là, ou celui-là, tiens, celui-là. Je le mettrai, par exemple, en vente, lui aussi. Le mecha aussi, mon mecha, principalement aussi, je le mettrai en vente. Peut-être pas avec les méga SMG, mais juste au moins le comment le heal, ou même sans armes, pour que vous puissiez l'acheter. Donc voilà les amis, comment je vais procéder entre guillemets. Hop, je vérifie quand même que personne l'a acheté entre temps. Non, je vous rappelle que vous pouvez le faire en mettant simplement America sans accent ici. Et vous le trouverez normalement en premier. Si vous ne le trouvez pas en premier, vous mettez name, vous mettez America et vous voyez que ça va déjà arriver à la liste. Et vous le trouverez America, virgule, for freedom. Voilà. Donc écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.